hâte que mon fils aille bien. Non mais regarde, on a fait l'anniversaire et là on rentre à la maison. Bon bah écoutez, on est rentré, on était à l'anniversaire, c'était super cool, on est rentré tôt, on n'a pas bu d'alcool. Du coup on rentre en forme, pas fatigué. On a deux ou trois. Jamais on est invité, on a jamais. Et là, je vous jure c'est vrai, demain on a encore d'anniversaire. Donc... Non mais en plus, on n'a pas beaucoup d'amis en vrai de vrai, on a pas mille et une fréquentations. Mais je sais pas, ils sont tous nés les uns après les autres. Ce jour-là, je sais pas ce qui s'est passé au mois de mai, mais voilà. On va se poser devant la série en un battement, passion de cette série. Genre, je veux regarder, je veux pas m'arrêter. J'ai l'ostéopathe demain matin pour sa tête plate. Hein. Vous savez, on a le suivi depuis qu'elle est bébé. Donc avant, c'était tous les mois. Après, c'était tous les 2-3 mois. Et maintenant, c'est tous les 6 mois. Sa tête va mieux. Elle est toujours, elle est pas non plus hyper volumique. Hein. Elle a pas la super boîte crânienne. Mais voilà, c'est mieux. Il est pas contagieux, il a une malformation. Non, alors attention, demain je vois un enfant qui est malade, qui est à côté de mes enfants, qui joue avec lui et que là, les parents ils viennent me dire « Oui, mon enfant, il n'est pas malade, vous inquiétez pas, il n'est pas contagieux, il a une malformation. » Jamais de ma vie, je vais laisser mes enfants ne pas jouer avec cet enfant. Il a une malformation, il a un problème, pêcheur quoi. Au contraire, je veux dire « Mais joue avec lui, éclate-toi. » Enfin, non, pas du tout. Vous avez été trop nombreux à m'envoyer des messages, c'est super gentil pour votre soutien. Moi, il y en a quelques-uns qui m'ont dit « Ouais, mais c'est normal. » Ou qui m'ont dit « Vous avez qu'à pas emmener votre fille jouer. » Je crois que c'est le pire celui-là. Vous avez qu'à pas emmener votre fille jouer avec d'autres enfants. Bref, donc voilà. Donc, merci pour tous vos messages. Mais c'est vrai qu'en tant que maman, c'est assez difficile. C'est pas la première fois. Là, aujourd'hui, c'était vraiment beaucoup. Il y a tout le monde qui s'est barré de la playing area. On s'est pris les remontrances des parents, carrément la meuf qui vient nous voir. Aujourd'hui, c'était beaucoup. D'habitude, ça arrive. Mais là, c'était vraiment beaucoup. Notre fils, il est pas contagieux, ne vous inquiétez pas. Mais on est impuissant quoi, ça c'est le plus difficile, vraiment. Bon, mais je vais être indisposée du coup, bon on va pas vous, on n'est pas comment vous me voyez comme une maigre, mais je suis gonflée, je le sens, moi je le sens. Quand je vais être indisposée, c'est terrible quelques jours avant, donc là je vais l'être dans 6 jours d'après l'application, on verra si elle a raison. Pour la vie, genre on dirait que je vis mes derniers instants debout. Et moi j'ai mangé jusqu'à la dernière seconde que je pars. Pareil, à midi, on était avec les enfants, Théo, j'ai fini le poisson de mon mari, j'ai mangé un peu des pâtes de ma fille, j'ai demandé à Théo, je fais, tu manges pas les asperges, je peux les bouffer. Genre vraiment, c'est dingue, hein, à chaque fois, hein. je suis en plein kiff, en roue libre totale, je fais pas attention non plus, mais genre il faut que je bouffe à max, trop bizarre. Allez, on va se poser dans le lit, devant la série, on a tourné un réel, je voulais partager. Et je vous mets le swipe up ici du coup, n'hésitez pas à aller le voir. On aime trop faire des réels. Ah ouais, on est des kiffeurs. Pas assez d'argent. Les gars, on touche zéro. Hein. Un réel me rapporte absolument que dalle. Une nouvelle routine. Et on kiffe. Il y en a plein, ils veulent pas lâcher la terre. Hein. Ça les dérange. Hein. Ils veulent pas hein, que tu fasses d'autres choses. Hein. Ils veulent que tu fasses de la télé-réalité et que tu fermes ta gueule. Genre, on est des gens de télé-réalité, on doit faire que de la télé-réalité dans notre vie. Dès que tu fais un peu autre chose. Non, ça sort du quotidien, ça sort de la routine, des habitudes. Il faut pas. Bon, allez. On va se coucher. Trop belle, je suis. Magnifique. Magnifique. À demain.